Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour parler un petit peu du printemps et tout ça et ma petite wishlist du printemps parce que voilà j'avais envie de partager un petit peu ce que j'aimerais faire durant cette période là. Donc en premier lieu reprendre un peu les pique-niques dans les parcs et tout ça quand il fait super beau et tout, vachement agréable. Moi, je n'ai pas d'extérieur chez moi, je n'ai pas de balcon ni rien. Et c'est vrai que, voilà, du coup, pour moi, c'est un vrai plaisir de passer du temps dehors, de manger dehors aussi. Donc, c'est assez sympa aussi. Pareil, aller boire un coup dans un café, en terrasse et tout ça. Ça, c'est un truc que j'adore faire et je trouve que c'est assez sympa. On peut voilà, discuter de tout et de rien avec la personne qui nous accompagne ou même aller toute seule. C'est bien aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, pareil, aller à la plage, pique-niquer ou juste se balader un petit peu. Surtout que chez nous, quand il n'y a pas de vent, qu'il fait super beau, ça tape bien. Et on est quand même privilégié de ce côté-là. Donc. Voilà. Ensuite, tout ce qui est vide-grenier. J'adore les vide-greniers. Et là, la saison, ça y est, elle redébute tout doucement. Et franchement, j'aime trop les vide-greniers. Je suis trop fan. Je suis pas obligée de. Enfin, j'achète pas forcément. Vraiment, ça marche au coup de cœur. Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance des vide-greniers. C'est convivial. C'est familial, on y trouve aussi de bonnes affaires, parfois on fait vraiment de très très belles trouvailles à petit prix et donc voilà, c'est assez sympa, on voit du monde et tout, c'est vraiment sympa. Ensuite, cuisiner, j'aime beaucoup cuisiner un peu plus, tout ce qui est printemps, été, tout ça, j'aime faire de nouvelles recettes et tout, je trouve que c'est plus sympa que les autres saisons. Ensuite, mettre des plantes, jardiner, tout ça. Bon, je n'ai pas d'extérieur, mais j'ai un petit escalier où j'ai mis des petites plantes et tout ça. Parce que voilà, j'avais envie de décorer, que ce soit un peu plus sympa aussi. Donc voilà, j'ai mis des plantes grasses et je trouve ça vraiment bien. Voilà, ça fait du bien au moral, ça fait du bien aussi... quand on sort et tout ça, qu'on voit un accueil un peu plus chaleureux, un peu plus printanier, tout ça, donc c'est assez sympa. Ensuite, je vais profiter aussi pour faire du tri. Du tri, pour, voilà. Parce que j'ai envie de renouveau, ça va avec la prochaine politique, enfin, le point. Voilà, j'aime bien changer un petit peu ma garde-robe et tout ça. J'ai souvent une autre vision de moi, pas de vision de style et tout ça. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien trier. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon Vinted, je vais vous mettre quelque part par là. Et vous verrez, chaque jour, j'essaie de mettre des petits trucs pour que je puisse mettre mon Vinted en valeur et que je puisse vendre aussi. Et donc, dernier point, comme je vous le disais, faire un renouveau. Donc là, ça y est, j'ai refait ma couleur. Mes cheveux, ils ont été coupés un peu plus courts et j'adore. J'essaie de trouver de nouvelles aussi façons de me maquiller. Voilà, de prendre soin de moi et tout ça. Comme là, j'ai repris le yoga, j'ai repris la danse. Ça me plaît bien fou. Et voilà, pour l'instant j'y tiens, je suis à 5 semaines de sport, bientôt 6, et je suis contente. Bien que je vois pas encore des résultats, mais je me dis qu'à force de faire du sport comme ça et tout, de maintenir le rythme, bah, c'est que je trouverai le moyen de perdre un peu de poids, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile quand on a des problèmes de santé. Et donc bah, voilà. Voilà pour ma petite wishlist pour le printemps. Et puis, je crois que plus pour l'été, ça sera une grande wishlist. Là, c'est une petite wishlist, c'est une petite pré-wishlist, vraiment.
spécial été, parce qu'en été, il y a quand même plus de choses à faire et tout. Mais voilà, j'aime bien sortir quand même. Voilà. J'aime bien aussi faire les marchés. Les marchés, voilà, je trouve ça sympa aussi. On voit du monde, on profite, on goûte à des petites choses et tout, c'est sympa aussi. Donc voilà, sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de faire pour ce printemps, en tout cas, même si des fois le temps n'est pas au rendez-vous, mais il y a toujours l'occasion de, voilà, de se faire plaisir et de trouver du temps pour soi et pour profiter de sa famille, ses amis, tout ça. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.